colonnes de lumière infinie ont été conçues pour cette place emblématique du Centre Pompidou. L'idée, c'est de relier les différents secteurs. Le Centre Pompidou, l'IRCAM, et d'amener une impulsion sur cette place. Les colonnes font référence à différents objets de la collection du musée, notamment les colonnes infinies de Brancusi. L'installation évoque aussi des écrans digitaux. Toute l'information que nous voyons sur nos écrans est générée par des impulsions de lumière rouge, bleu et verte qui forment chaque pixel. Alors on agrandit ces cellules parce que c'est l'ADN du langage d'aujourd'hui. En réalité, on voulait qu'on aperçoit chaque cellule comme quelque chose de vivant. Et comme ça, on peut l'apercevoir à l'échelle humaine, une image qui peut dialoguer. Nous créons artificiellement des portraits imaginaires de ces éléments qui sont complètement invisibles à l'œil nu, parce que c'est un espace libre, justement. On voulait transmettre cette idée de futur, de lumière, de beauté, de quelque chose aussi ludique. Ça commençait avec des dessins imaginaires de cet éclat de lumière. On a utilisé des algorithmes, mais aussi des procédés de clusters musicaux. Nous appelons ce procédé peinture intermédiaire, parce que c'est une sorte de peinture, c'est un geste très volontaire, mais qui traverse différents médias. La façade de l'IRCAM était l'endroit parfait pour ces colonnes parce qu'elles se trouvent exactement en face de l'atelier de Brancusi. Et de l'autre côté, il y a ce lien avec la musique, ces laboratoires de sons électroniques et de résonance. Et donc, d'une certaine manière, on fait surgir ces vibrations avec ces colonnes.